Bonjour, j'ai souvent dit que la Réunion c'était compliqué à expliquer à cause des nombreuses spécificités qui existent sur notre petit territoire. Pour mieux comprendre comment notre île est devenue un si beau foutoir, je vous propose dans cette vidéo de revenir sur son peuplement et sur son évolution. Voici l'histoire de la Réunion en version accélérée. La Réunion est une île jeune à la fois d'un point de vue géologique, mais aussi par son histoire humaine, à peine plus de 350 ans depuis son peuplement. L'histoire de notre bout de rocher est très dépendante de deux choses. Sa géographie et la localisation dans l'océan Indien, et ses relations avec la mère patrie dont la capitale est située à 9391 km. L'île fait partie de l'archipel des Mascareignes avec l'île Maurice et Rodrigue. L'histoire de la Réunion est relativement récente, car ni les Arabes l'ayant découverte au Moyen Âge, ni les Portugais l'ayant redécouverte au XVIe siècle n'ont vu l'intérêt de coloniser cette terre volcanique, même si les Européens l'utiliseront comme point de ravitaillement sur la route des Indes. Il faudra attendre 1640 pour que des navigateurs français s'intéressent à l'archipel des Mascareignes. En 1642, les Français créent le comptoir de Fort Dauphin Madagascar. Ils débarquent sur Mascareigne la même année et nomment l'île Bourbon en hommage à la famille royale française. Durant plus de deux décennies, les visiteurs vont se succéder dans l'île sans véritablement s'y établir. L'histoire la plus notable est celle d'Antoine Couillard qui, après avoir tenté de prendre le pouvoir à Fort Dauphin, est exilé avec ses compagnons sur l'île Bourbon, déserte, en 1654. 4 ans après, quand on a enfin l'idée d'aller les récupérer, on retrouvera des gaillards en parfaite santé. En 1663, le colon Louis Payen quitte Fort Dauphin à bord du Saint-Charles pour vivre à Bourbon. Il débarque dans la baie de Saint-Paul avec un ami, 10 serviteurs malgaches, dont 2 femmes. 10 bonhommes pour juste 2 femmes. Je serais elle, j'aurais senti le problème. Il faudra attendre 1665 et la création de la Compagnie des Indes orientales par Jean-Baptiste Colbert pour que les choses sérieuses débutent. Ce monsieur qui avait l'esprit d'entreprendre décide de faire fructifier les colonies de la France. Étienne Regnault est envoyé sur l'île Bourbon avec 4 navires pour peupler et exploiter cette terre sauvage. Il devient d'ailleurs le premier gouverneur de l'île. L'objectif de la compagnie est ambitieux, développer cette terre vierge au travers de l'agriculture au profit du royaume. Pour ce faire, Regnault va ainsi créer les quartiers de Sainte-Suzanne et Saint-Denis où les terres sont plus facilement cultivables que ceux de Saint-Paul. En 1668, née de parents malgaches, Anne Mousse, qui sera la première réunionnaise née sur l'île. En 1674, suite au massacre des colons par les malgaches, les Français quittent Fort Dauphin. Leur exode va favoriser le développement de la colonie de Bourbon. Car après tout, une colonie sans indigènes, c'est quand même plus facile à gérer. Quand les Hollandais quittent Mauritius en 1712 après avoir massacré la faune, la flore et bouffé tous les dodos qui s'y trouvaient, les Français en profitent pour prendre possession de ce qu'ils vont rebaptiser l'île de France. Cette acquisition va profondément modifier les relations entre l'île Bourbon et la compagnie. Alors c'est bien d'avoir mis son drapeau sur des îles, mais je vous rappelle que l'objectif des colonies c'est de produire de la richesse pour le royaume. En fait, la technique des Français est simple. Comme on n'arrive pas à avoir des produits exotiques de l'Inde à forte valeur ajoutée, essayons d'en produire nous-mêmes sur des terres qu'on possède. Et vu que les épices ça pousse pas des masses dans la Creuse ou en Picardie, faisons ça sur l'île Bourbon par exemple. La Compagnie des Indes impose donc aux Mascareignes les cultures, gère les exploitations mais aussi leurs coûts d'achat. En 1715, le gouverneur Antoine Desfroches-Boucher va introduire la culture symbolique de l'île Bourbon. Non, pas celle-là, pas tout de suite. La culture dont je parle, c'est le café. L'arabica rapporté du Yémen devra faire à présent la fortune de l'île. Et là-dessus, la Compagnie des Indes ne va pas plaisanter. Elle impose la culture du café aux colons et quiconque ne produit pas suffisamment de caféiers se verra retirer sa concession. La destruction de la plante sera même condamnée à mort. Pour répondre aux attentes de production de la compagnie, les colons vont travailler durement sur les plantations. Ben quoi? Ah. Ou faire appel à des esclaves de la côte est de l'Afrique et de Madagascar. Précision importante, avant que la Compagnie des Indes s'en mêle, l'île Bourbon est une colonie anarchique où colons, indo-portugais et malgaches se mélangent. On parle d'ailleurs de serviteurs et non d'esclaves, même si cette notion est floue. C'est l'époque des grands-mères malgaches, dont Anne Mousse, qui, mariée à des colons blancs, vont être à l'origine des plus vieilles familles créoles de l'île. Ce mélange va disparaître quand la compagnie va demander aux colons de développer la production agricole. L'esclavage et la traite vont petit à petit se mettre en place et la société bourbonnaise va se diviser en fonction de la couleur de peau. Le code noir tel qu'il est appliqué dans les autres colonies françaises va faire son apparition. En 1735, suite à une réforme des collectivités sans doute, les deux îles seront dirigées par un seul gouverneur. Le premier d'entre eux sera François Mahé de la Bourdonnais. François va alors reléguer l'île Bourbon en second plan, préférant développer l'étoile et la clé de l'océan Indien. Le gouvernement est alors transféré à Port-Louis, plus adapté pour la lutte maritime, livré contre l'Angleterre pour la domination des Indes. François impose donc à l'île Bourbon la production de vivres pour nourrir ses escadres militaires.
Pour faire simple, La Réunion est pour lui le grenier et Maurice l'île à développer. Bon, je suis mauvaise langue, il va quand même un peu aménager Bourbon avec des chemins, des casernes, des hôpitaux. Mais il durcit l'esclavage en mettant en place des milices pour chasser les esclaves en fuite. Car oui, entre 1735 et 1765, le nombre d'esclaves sur l'île Bourbon passe de 6 000 à 21 000, alors que la population totale est de 25 000 habitants. Et les esclaves vont chercher à reprendre leur liberté en s'enfuyant dans les hauts de l'île, ce qu'on va appeler le marronnage. La Bourdonnais va encourager la formation de milices pour récupérer et punir les marrons, les esclaves en fuite. Sympa, notons que ce gars a une statue au Barachois. À la fin de cette période et à mesure que l'agriculture se développe, de nouveaux quartiers vont voir le jour, essentiellement dans l'Est, et Saint-Pierre qui fait son apparition. À la suite de la guerre des 7 ans qui oppose notamment les Britanniques aux Français pour le contrôle des colonies du monde, la Compagnie des Indes orientales fait faillite, et le roi de France rachète les Mascareignes pour un coût de 7 635 348 livres pour les deux îles. L'île Bourbon est paradoxalement en plein essor économique, notamment avec la culture des épices, dont la muscade et le girofle, introduits par le gouverneur Pierre Poivre. Ce développement, comme vous l'imaginez, repose sur le travail des esclaves, qui sont passés à plus de 45 000, essentiellement en provenance d'Afrique. Durant les périodes révolutionnaires et impériales, c'est le gros bordel. Suite à la Révolution française, la tête de Louis XVI est désolidarisée de son corps, et la colonie change de nom pour devenir La Réunion. Alors, l'origine du nom n'est pas très claire. Est-ce que c'est un hommage à la réunion des révolutionnaires contre le régime monarchique ou un nom symbolique pour rappeler aux citoyens l'importance de se réunir face à l'adversité? Cela n'empêche, l'île n'a pas du tout une âme de révolutionnaire. Les colons refusent catégoriquement la première abolition de l'esclavage imposée par la Première République en 1796. Faut dire que toute l'économie de l'île repose là-dessus et comme les esclaves n'ont pas trop leur mot à dire, l'île va donc s'enfermer de plus en plus sur elle-même, et une assemblée coloniale est créée et impose une sorte de dictature aux habitants. Pour preuve que l'esclavage reste primordial pour les colons, les révoltes d'esclaves sont sévèrement réprimées durant cette période. Pour exemple, en 1799, 5 mutins sont tués à coups de canon pour s'être rebellés à Sainte-Rose. Oui, vous avez bien entendu, tués à coups de canon. Avec la prise de pouvoir de Napoléon en 1801, l'île revient sous le contrôle de la France. Napoléon revient sous l'abolition de l'esclavage, et les colons sont contents. L'île change de nouveau de nom pour s'appeler Bonaparte. Durant cette période, la différence de traitement entre les îles sœurs est accentuée, notamment avec la politique du commandant Decamps, on ne dit plus gouverneur. Construction des routes et d'un second port en Île-de-France, et développement de l'industrie du rhum par exemple, alors que chez nous... En 1807, plusieurs catastrophes naturelles détruisent les plantations de café et de girofliers de l'île Bonaparte. Il faut trouver un moyen de rebondir, et les propriétaires ont une idée. Suite à l'indépendance de Saint-Domingue, l'actuel Haïti en 1804, la France a perdu son principal fournisseur de canne à sucre. C'est donc tout naturellement vers cette culture que va s'orienter les colons de Bonaparte. Pendant les guerres napoléoniennes, les Mascareignes sont au cœur du conflit franco-anglais pour le contrôle de l'océan Indien. Les Anglais vont titiller l'île Bonaparte à plusieurs reprises, notamment avec les batailles de Sainte-Rose. L'île ne possédant pas suffisamment de moyens de défense, en 1810, les Britanniques débarquent par la Grande Chaloupe et sont en marche vers Saint-Denis, empruntant le chemin Crémon, rebaptisé aujourd'hui Chemin des Anglais. Après la défaite de la bataille de La Redoute, l'île devient britannique avec l'ensemble des Mascareignes. L'île nommée à nouveau Bourbon sera sous l'emprise des Anglais pendant 4 ans. Cette période est liée justement au développement de la canne à sucre. Et c'est justement durant cette période anglaise qu'a eu la plus grande insurrection d'esclaves de l'île, la révolte de Saint-Leu. Du 5 au 11 novembre 1811, après plusieurs mois de préparation, une centaine d'esclaves de Saint-Leu, menés notamment par Élie, vont s'attaquer aux propriétaires de la commune. Probablement incité par la révolution de Saint-Domingue, leur objectif était de finir avec le système esclavagiste de l'île. Il y aura toutefois peu de pillages dans les habitations, aucun incendie et aucune violence envers les femmes. Mais trahis par certains d'entre eux et insuffisamment armés, les insurgés seront fortement réprimés par les propriétaires qui les prirent en embuscade dans la région du Portail. Une vingtaine d'esclaves furent tués, près de 150 seront arrêtés, dont une trentaine condamnés à mort. Cet épisode est vraiment particulier dans l'histoire de l'île, car la révolte a été imaginée par les esclaves eux-mêmes dans le but de renverser le système esclavagiste. À la suite du traité de Paris en 1814, les Britanniques cèdent l'île Bourbon à la France et gardent l'île Maurice. Bah oui, vous savez, c'est l'étoile et la clé de l'océan Indien.
Nous sommes alors sous la Restauration, la monarchie est de retour en France et Bourbon est stable politiquement. Néanmoins, l'île va subir plusieurs crasses, épidémie de choléra, deux varioles, gros cyclones, c'est pas la joie. Quelques événements positifs pour autant, la canne à sucre connaît son essor grâce notamment au clan des Bassins. Mais je n'ai pas le courage de développer leur histoire, cette vidéo est déjà suffisamment longue. En 1840, le jeune esclave Edmond Albus découvre le procédé de fécondation de la vanille, une révolution dans la production de l'épice. Hélas, contrairement au propriétaire, il ne tira aucun bénéfice de cette découverte et vécut dans la misère. En 1848, grosse agitation en métropole, la monarchie de Juillet est renversée, Louis-Philippe se casse. Et c'est le retour de la République qui d'un va donner son nom définitif à l'île, la Réunion, et être également à l'origine du plus grand bouleversement de son histoire, l'abolition de l'esclavage. Oui, cette fois-ci, c'est la bonne. Sous l'impulsion de Victor Schœlcher, le décret d'abolition de l'esclavage est signé en avril 1848 à Paris. Il faudra cependant attendre le 20 décembre pour que le commissaire de la République, Joseph-Napoléon Sébastien Sarda-Garriga, proclame la fin de l'esclavage à Saint-Denis. Bah oui, il fallait laisser la Coupe des Cannes se terminer avant de libérer les 62 000 esclaves de l'île. Les propriétaires terriens désabusés par cette abolition vont alors faire appel à l'engagisme pour trouver des travailleurs pour leurs champs. Une nouvelle vague migratoire venant de Madagascar, d'Afrique mais surtout d'Inde est alors lancée. Plus de 100 000 personnes vont venir dans l'île et l'engagisme sera un des nouveaux moteurs du métissage et va changer la face de l'île. Littéralement. Les engagés indiens débarqués à la Grande Chaloupe passaient 2 jours en quarantaine dans le lazaret dans des conditions terribles avant de partir travailler dans les propriétés. L'engagisme était réglé par différentes conventions et règles très strictes sur le salaire, la ration journalière, les vêtements et les heures de travail. Cela n'empêchait bien évidemment pas l'abus des propriétaires et l'interdiction par exemple de pratiquer les rites tamouls. Quand la France bascule dans le second empire de Louis-Napoléon Bonaparte, la Réunion va avoir alors son premier gouverneur natif de l'île, Louis-Henri Hubert de Lille. Il sera à l'origine de nombreux travaux qui auront pour but notamment de mettre les esclaves affranchis au travail. Parmi ces travaux, on notera la route du Grand Brûlé, la route de la montagne à Saint-Denis, la route des plaines et la route des Hauts de l'Ouest, aujourd'hui appelée route Hubert de Lille. Le but de tout ça étant d'avoir une route faisant le tour de la Réunion. Hubert de Lille dotera également les communes d'églises, de clochers et créera le muséum d'histoire naturelle, une bibliothèque publique et tout ça en 5 ans et demi. Ces quelques années dorées n'empêchera pas l'île de voir grandir sa population pauvre, et les épidémies de choléra, variole, de typhus vont se développer. Avec l'abolition de l'esclavage et par extension la fin du marronnage, les hauts de l'île vont accueillir un nouveau genre de population, les petits colons pauvres. Si les siècles de Salazie et de Silaos avaient commencé leur développement autour de leur centre thermal, ce sera autour de la plaine des palmistes et de la plaine des cafres d'accueillir de nouveaux habitants. La canne à sucre étant la culture des bas, les hauts développeront des cultures délaissées comme le géranium, le vétiver ou le curcuma. Et c'est justement la quasi-monoculture de la canne à sucre qui va par ailleurs entraîner l'effondrement de l'économie de l'île autour de 1864, avec le développement du sucre de betterave en Europe. L'île, longtemps exportatrice de denrées, va à présent en importer, chose qu'on n'a pas arrêté de faire depuis. Avec la Troisième République, plusieurs aménagements majeurs vont quand même voir le jour, comme le port, le chemin de fer, et la création de ce qui sera à l'époque le plus haut pont suspendu du monde, celui de la rivière de l'Est, en 1894. Et alors que les immigrations africaines et indiennes s'achèvent officiellement en 1859 et 1885 respectivement, la France lorgne sur Madagascar. La grande île est colonisée en 1895, la Réunion est alors remise au second plan au profit de l'exploitation des richesses naturelles de l'île Rouge. Au début du XXe siècle, l'île va voir arriver ses premiers immigrants volontaires, notamment les Chinois de la région de Canton et les Indo-musulmans de la région du Gujarat, motivés notamment par des épidémies et famines dans leur pays, et des propositions de travail plus ou moins réelles à la Réunion. Vous imaginez bien que l'intégration fut quelque peu compliquée vu la situation économique de l'île. Lors de la Première Guerre mondiale, toutes les colonies vont fournir de la chair à canon pour affronter l'ennemi. La Réunion ne fera pas exception. 14 000 Réunionnais seront mobilisés. Ce chiffre est énorme quand on sait que la population n'était que de 150 000 habitants. 1698 Réunionnais vont mourir durant la Première Guerre mondiale. Pendant cette période, l'île est coupée du reste du monde, les navires se font rares et les habitants se débrouillent comme ils peuvent. Mais c'est surtout à la fin de la guerre en 1918 que l'île va connaître l'une des pires catastrophes de son histoire, la grippe espagnole.
Rapporté par les soldats rescapés de retour dans l'île, l'épidémie va faire entre 6 000 et 15 000 morts, largement plus que les ravages de la guerre elle-même. Mais la vie va reprendre, et pendant l'entre-deux-guerres, les échanges entre la colonie et la métropole vont être facilités grâce notamment à l'inauguration de la liaison entre Le Port et Marseille et l'arrivée des premiers avions, mais également le développement de la télégraphie sans fil et la radiophonie. On en est où du coup dans l'histoire? Ah oui, la Seconde Guerre mondiale. Alors comment vous dire? Alors, je sais bien que ça prend beaucoup de place dans les livres d'histoire des Européens, mais au début, la Seconde Guerre mondiale n'a aucune influence sur l'île, jusqu'à la capitulation de la France en mai 1940. L'île doit faire un choix. Alors que les Anglais proposent au gouverneur de la Réunion de se rallier dans la résistance, Aubert décide de suivre l'avis du gouvernement de la métropole et place l'île sous le contrôle du régime de Vichy, et ceci contre l'avis de la population. Il faudra attendre novembre 1942 et l'action du contre-torpilleur le Léopard pour que la Réunion rejoigne la France libre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'île est dans un sale état économique et la métropole s'intéresse à nouveau à sa colonie. En 1946, la Réunion, au même titre que la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, devient un département français d'outre-mer. Mais le renouveau économique de l'île et le développement des infrastructures ne se fera pas avant les années 1960. C'est-à-dire après la disparition presque complète des colonies françaises, avec notamment l'indépendance de Madagascar en 1960 et celle de l'Algérie en 1962. L'île se modernise. Les aménagements les plus importants à cette période sont la création du barrage hydroélectrique de Takamaka ou encore la construction de la route du littoral. La population pauvre par ailleurs augmente encore dans l'île, et pour lutter contre les logements insalubres de plus en plus fréquents et sous l'impulsion notamment du député réunionnais Michel Debré, des quartiers de logements sociaux vont être construits. Et c'est ainsi que le Chaudron va naître par exemple. Mais la lutte contre la pauvreté va passer également par des décisions politiques un peu connes, comme l'envoi d'enfants plus ou moins orphelins de la Réunion dans des départements à faible natalité d'Hexagone, pour soi-disant leur donner un meilleur avenir. C'est le drame bien connu des enfants de la Creuse. 2150 enfants vont être ainsi arrachés de leur île pour être déportés. Depuis les années 70 et 80, le développement de l'île s'accélère et la population augmente, avec notamment une vague d'immigration venant de l'Hexagone et de l'océan Indien. L'intégration de la Réunion de la République française se fait lentement et par étapes. Avec notamment la disparition du franc CFA, la création de la région Réunion et la création de l'Académie de la Réunion, ou encore l'instauration de l'égalité sociale avec l'Hexagone. L'île devient, au même titre que les départements français d'outre-mer et les îles portugaises et espagnoles des Canaries, de Madère et des Açores, des régions ultra-périphériques de l'Union européenne, profitant un peu des subventions de l'Union pour le développement de ses infrastructures. La société agricole est désormais une société de consommation. L'économie de l'île, qui a longtemps reposé sur l'agriculture et la canne à sucre notamment, s'est tournée petit à petit vers le tourisme. La Réunion ayant des atouts naturels majeurs, comme l'a montré par exemple le classement de son parc national au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le taux de chômage est très important et les inégalités sociales et économiques persistent dans la société réunionnaise. Comme l'ont montré les différentes manifestations de la population ces dernières années. L'île de la Réunion compte aujourd'hui plus de 840 000 habitants à l'ADN complexe, les différentes vagues migratoires ayant contribué au métissage des cultures et de la couleur de peau qu'on connaît. Les habitants de la Réunion ont montré à plusieurs reprises leur capacité d'adaptation face à des événements difficiles, que ce soit des épidémies, des cyclones ou l'isolement. Reste à faire à présent les bons choix pour l'avenir de notre territoire et de sa population. J'espère que cette longue vidéo vous a plu. Bien évidemment, je n'ai pas pu tout traiter. En espérant que cela vous ait donné une image plus claire de toutes les étapes par lesquelles l'île est passée pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui.